Salut Aurélien, comment allez-vous? Alors bon, oui, je vous fais une petite vidéo, une petite parenthèse juste avant la vidéo en question. Juste pour vous expliquer, excusez-moi pour le son de la vidéo qui va suivre, parce que la vidéo qui va suivre, je l'avais filmée bien avant que j'ai le nouvel équipement, c'est-à-dire tout ce qui est nouveau micro et tout ça. L'ancien micro que j'avais pour une ancienne vidéo n'était pas bon, du coup j'ai dû changer. Et voilà, donc le son des fois il y a un petit peu trop de vent ou des fois on m'entendra pas trop ou quoi. Veuillez m'excuser, désolé pour ça. Voilà, je vous le dis d'avance, excusez-moi. Ensuite, par rapport au sujet de la vidéo, je vais vous présenter donc dans cette vidéo les personnes qui m'ont aidé quand j'ai eu mon accident, qui m'ont retrouvé bah, comme une merde au bord de la route. Voilà, qui m'ont bien aidé, qui ont pris des nouvelles, qui m'ont vraiment soutenu, tout ça. C'est vraiment cool de leur part. Je vous dis encore merci les gars, parce que je sais que vous regardez cette vidéo. Voilà quoi. Donc je voulais vraiment vous les présenter, même si des fois le son est un petit peu pourri, je voulais vraiment vous la montrer. Voilà quoi. Dans cette vidéo, vous avez peut-être dû le voir, parce que normalement je vais le marquer dans le titre. Il y a une chute. Alors c'est pas moi qui chute, bien sûr, parce que sinon vous seriez déjà au courant. Parce que moi quand je chute, c'est pas genre je fais une petite glissade. Non, moi si je chute, c'est je me bouffe un arbre. Non, là c'est une petite chute. En fait, c'est un jeune, bah, il s'est un petit peu raté. De toute façon, j'explique tout ça dans la vidéo. Je n'ai pas la chute en vidéo parce que moi j'étais devant. De toute façon, vous verrez dans la vidéo pourquoi je ne l'ai pas, parce que je suis vraiment devant, quoi. Donc veuillez m'excuser, enfin m'excuser, ne venez pas dire dans les commentaires, ouais tu dis qu'il y a une chute mais on la voit même pas, ben oui mais c'est normal, là. Si tu la vois pas c'est normal mon pote, hein. Voilà donc va pas faire le rageux dans les commentaires, y a pas de soucis t'inquiète, voilà, si vous voulez voir des chutes, bah vous tapez crash moto, je sais pas quoi, là vous allez en voir des chutes, hein, y a pas de soucis, moi sur ma chaîne c'est pas spécialement le truc où vous allez voir des chutes ou des road rage ou des trucs dans le genre, hein. Voilà quoi, ensuite qu'est-ce que je voulais vous dire, ouais, bah bien sûr, par rapport à ça, évitez, s'il vous plaît, dans les commentaires de vous acharner peut-être sur le jeune, parce que dire, ouais, bah, en même temps, il roulait peut-être comme un guignol ou quoi. Ouais. Je vous dis, moi j'ai discuté avec lui, il sait très bien les erreurs qu'il a fait, voilà, il les a fait, moi aussi j'ai fait des erreurs. Maintenant, je pense que je suis plutôt bien placé pour en parler, sur les chutes, mais voilà quoi. Donc bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, dans cette vidéo, j'ai également donné mon avis sur la grande question. Est-ce qu'un 50 cm cube... Enfin, enfin, une personne qui roule en 50 cm3, est-ce que c'est un motard? Est-il motard? Alors, la grande question, parce qu'on me pose souvent cette question et tout, ouais, est-ce que moi je roule en 50 et pour toi, est-ce que je suis un motard? Bah, vous verrez dans la vidéo, je le dis. Je dis ce que je pense, voilà quoi. Je pense que vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais voilà. Donc comme ça moi j'aurais répondu une bonne fois pour toutes, j'aurais donné mon avis, je comptais pas faire une vidéo spécialement pour ça, alors voilà, je donne mon avis vite fait pendant 2-3 minutes, bon je pense que c'est plutôt 8 minutes, mais bon voilà quoi. Dernier message, ce week-end, du 7-8-9, ouais c'est ça, du 7 au 9, je serai au Motors and Blues, alors pas tout le temps bien sûr, parce que j'ai mes obligations, comme tout le monde, mais je serai, ça c'est quasiment sûr à 100%, je serai à la balade du dimanche matin à 11h au Motors and Blues de Dax. Voilà, à 11h, je serai avec Jackie, que vous connaissez déjà, certains, et avec d'autres potes. Voilà, donc si vous êtes dans les parages, si vous voulez venir me voir, ou si vous voulez même faire la balade avec moi, ou quoi, il n'y a pas de souci, vous venez, c'est avec plaisir. Voilà quoi. De toute façon, je dirai exactement quand j'y suis ou pas. Oui, je sais, je vais encore vous bassiner avec ça, mais je vous le dirai sur Snapchat et certainement Facebook, mais surtout Snapchat, parce que c'est plus rapide. Puis voilà quoi. Je vais pas vous, bien sûr, vous faire une vidéo sur YouTube juste de 2 secondes. Ouais, je suis là, à tel endroit, venez me voir. Ça sert à rien. Enfin voilà quoi. Bon, je pense que j'ai assez parlé. Dernière petite parenthèse, parce que je le remarque. Excusez-moi si vous me voyez pas trop, c'est parce qu'il fait presque nuit. Hein, ça, vous l'avez deviné. Mais en même temps, ben, j'avais pas trop le choix. Il n'y avait que maintenant que je pouvais en faire vite fait une petite vidéo parce que je voulais vraiment vous faire cette petite parenthèse. Et puis voilà quoi. Bon, allez, j'arrête de parler. Je vous laisse avec la vidéo en espérant qu'elle vous plaise. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et surtout vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis voilà quoi. Ok? Bon, je vous dis salut tout le monde, à la prochaine et soyez prudents sur la route. Allez, ciao les gars. Ils sont là. 4? Ils étaient pas 3 la dernière fois? Il y en a un en plus. Ça va? Ça va? Salut! Salut! Ah? Bonjour! Bonjour! Ça va? Salut! Salut! Pas mal la Duc! Ah, t'as refait une sacrée peinture dessus! Ah oui, tout refait, oui. Ah bah oui, là au moins, vous voyez la moto en bon état. Ouais.
C'était lequel en fait qui avait ramené la moto sur la route? C'est toi? Elle était pas comme ça, hein. Là, j'ai repeint. Ah, tu l'as repeint? Mais il y avait toute la peinture de refaite. Ouais, pas mal lui en short. Ouais, le mec il m'a tout refait, le réservoir, tout quoi. Oh chérie, on regarde pas comme ça. On est au penant là, il y a le skatepark. Ok, bah on y va, allez. Bon voilà, je viens de voir les petits jeunes là. Genre peut-être plus comme ça les petits jeunes, mais bon. Mais non, franchement ils sont super cool. Là on va aller faire un petit tour vers Seignos, le Penon. Il y a un rassemblement de bagnole américaine, je crois. On va faire un petit tour là-bas, tranquillou, PPO. Et voilà. Ah. Eh, il te manque pas les rétros? Ah non, tu l'as là-bas, le petit rétro. Tu dois pas y voir grand-chose, hein. Bon, par contre, eh, arrivé vers Seignos, je te laisse aller devant parce que je connais pas trop par là. Tu connais pas trop? Non, Seignos le Penon, je connais pas, non. Qu'est-ce qui se passe? Merde, y en a un qui s'est planté. Je crois qu'il y a un des jeunes qui s'est cassé la figure. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé trop fort dans le rond-point et comme on s'est arrêté au passage piéton, il a glissé et pas. Ah merde! On roulera jamais ensemble. Hein? On roulera jamais ensemble. Et il va bien enfin. Bah ouais, il va bien mais il est énervé quoi. Pas vous rouler avec moi les gars, ça vous porte malheur. Je croyais que c'était lui qui était tombé, je crois. Je croyais que c'était lui qui était tombé, enfin l'autre. Parce qu'il était derrière moi. Bon, ben sur 4, il n'en reste plus que 3. Le mec il s'est planté. Allez les gars. Bon alors, sur les 4, il en reste plus que 3. Un qui s'est malheureusement cassé la gueule. Il arrivait un petit peu trop fort sur le rond-point. Et le piéton que moi j'ai salué pour dire désolé parce que je lui ai coupé la priorité au passage piéton. Ben, j'en avais deux autres derrière qui eux se sont arrêtés, normal. Sauf que le dernier, ben, il allait un peu trop vite. Du coup, ben, il a glissé dans le rond-point et voilà, il s'est cassé la gueule. Alors il va bien, il va très bien, c'est juste que ben, il est énervé quoi. Et la moto. Elle est un petit peu touchée. Enfin, c'est pour ça. On va rouler tranquille. Pour pas les inciter à trop accélérer. Parce que c'est bon. Après, c'est la pause de rouler avec moi. Mais ça, le problème, c'est que pour ceux qui roulent en 50, rouler avec des personnes genre comme moi qui ont des gros cylindrés, c'est un peu embêtant. Parce que moi, personnellement, j'ai rien contre les 50. Avec eux, il n'y a pas de soucis. Franchement, même si on salue, il n'y a pas de soucis. Franchement, j'ai rien contre. En plus, là, eux, là, ils sont plutôt bien équipés et tout. Franchement, c'est très très bien. Même mieux équipés que certains qui roulent en gros cube. Alors voilà. Mais le problème, c'est que bah, nous, avec les grosses cylindrées, bah, on va rouler normal quoi, et tout ça. On va accélérer des fois et tout. Mais faut qu'on fasse attention, des gens, bah, parce que eux ne veulent pas non plus nous suivre. Parce que nous déjà on prend des risques pour nous et eux ils veulent nous suivre, du coup c'est encore pire. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, il a trop accéléré, il est allé trop vite en rond. Voilà. Et comme il me disait, par exemple le jeune qui est là devant moi, c'est son frère, qui roulait plutôt fort des fois alors. Et voilà, il s'est fait la première, il s'est fait une frayeur, ben voilà. De toute façon, des chutes c'est comme ça. Je pense que je suis plutôt bien placé pour savoir que les chutes, bah, on sait quand on s'y attend pas que bah, ça se produit. Hein. Et voilà. Après, si on a fait une erreur, il faut prendre. Voilà. Faut se dire.
dire j'ai fait une erreur, il faut pas que je recommence la connerie quoi. Mais bon, si tu vois cette vidéo mon pote, t'inquiète pas, on aura l'occasion de rouler encore ensemble. Une prochaine fois, t'inquiète, c'est pas un souci, t'énerve pas pour ça. La moto c'est que du matériel, c'est que dalle. Regarde moi, c'était une épave, je l'ai retapé complètement. T'inquiète pas mec, tu vas vite te remettre en selle, y'a pas de soucis. En plus t'as rien, franchement profite-en, franchement. T'énerve pas mec, t'énerve pas. C'est vrai, c'est énervant et tout, mais t'énerve pas mec. T'as rien, c'est tant mieux pour toi, franchement c'est cool. C'est cool que t'as rien quoi. La moto, bah, tu vas te la retaper et puis voilà, tu remonteras en selle. Allez, bon courage mec, t'inquiète. Oh, ça c'est pas mal ça, ça c'est ce qu'il me faut. Ouf, y'a quelqu'un qui a fait un burn ici ou quoi? Ouais, ce gars là-bas derrière. Ouais, là-bas, ouais. Je sais quoi tout ce bordel, je sais même pas où je suis là, je sais même pas où je vais. Mais poussez-vous! Laissez-moi passer où? Tu fais quoi chérie? Tu laisses passer? Merci bébé. Ouais, t'es fait un petit tour dans les voitures américaines. Alors désolé, j'ai pas pu filmer parce que franchement, il y avait vraiment beaucoup trop de monde. Mais abusez quoi. Il y avait beaucoup trop de monde, on arrêtait pas de se bousculer, alors j'ai fait bon. Laisse tomber, va pas filmer. De toute façon, c'est pas le sujet de la vidéo, hein. On est là pour se balader. Eh hey, mine de rien, sa 50, sa Reggio, elle est super belle. Ah ben j'adore, franchement, en rouge là comme ça, elle est super belle. Très très propre. Faut pas prendre hein, ceux qui roulent en 50 et qui ont des petites bécanes comme ça, franchement, des fois, des bécanes, mais super belles. Hein. Ah, cette route me rappelle quelque chose. C'est la même route qu'on avait commencé à prendre le jour où on a voulu prendre, enfin, faire la balade avec Jackie. On avait fait la balade pour le Motors, non pas Motors and Blues, non, le Motor and Arts. Et qu'on s'était trompé, on s'est retrouvé pour Trébiscarros. Je vous mets le lien de la vidéo. Là, vous devez avoir une petite affiche quelque part par là, si vous l'avez pas vu. Quand on se trompe de groupe lors d'une balade. Putain, mais il est souple lui, moi je peux pas faire ça. Ses jambes devant, mais mec, wow, comment tu fais? Moi je peux pas, j'arrive pas. Tiens, j'y pense là justement. Les 50 et tout ça. Je vois qu'il y a beaucoup la question à savoir est-ce que les 50 on doit les considérer comme des motards ou pas? Alors certains disent non, les motards c'est à partir de 125 ou 250 ou toutes ces merdes là. Alors moi perso, vous voyez, les 50, non, je considère pas spécialement comme un motard. Mais quand on voit par exemple un jeune comme ça là, avec 4 super propres, un minimum équipé, casque, gants, veste. Bon, ok, le bar reste actif par au revoir, mais je vais rien redire parce que moi c'est pareil. Voilà, mais la bécane est super propre. Franchement, riche. C'est pas des super motards, c'est pas les vrais vrais motards. Mais c'est un bon début d'apprenti motard, on va dire. Non, c'est bien. Moi j'ai considéré après ouais, comme des petits motards, ouais. Après, ceux qui sont genre en scout et qui font des kékés, toutes ces merdes là. Non, ça non. Non, c'est pas un motard. Ça c'est juste un kikul, je sais même pas comment les appeler. Ouais, voilà, par exemple, ces jeunes là ils sont bien équipés, ils roulent tranquille et tout. Non, c'est bien, mais ouais, des fois ils disent bonjour au motard, ouais, non, c'est bien. Franchement, c'est bien. Et après, faut pas oublier, hein. Les motards, hein, la plupart, vous avez commencé comme eux, hein. Moi, par exemple, j'ai commencé comme eux, hein. J'avais un MBKX Limit, 50 cm cube. Voilà, bon, on me l'a volé, mais j'en avais un. J'ai commencé comme eux, hein, par 50 cm cube. Hein. Voilà. Alors, il faut pas non plus dire, oh, non, non, vous n'avez pas des motards et tout ça, parce que vous avez que des 50. Oh, c'est sûr, vous n'allez pas faire tour du monde avec eux en faisant une balade, hein, mais... voilà, une petite balade comme ça, c'est sympa. Faut arrêter de voir que par la taille des moteurs, par les centimètres cubes. Voilà, c'était mon avis, voilà. C'était l'occasion de le donner, là, c'est bon, j'ai donné mon avis par rapport à ça. Alors, pour résumer, est-ce qu'un 50 est un motard? Non, c'est un apprenti motard, on va dire. C'est un bon début. S'ils sont équipés, tout ça, qui sont polis, qui respectent bien le code de la route, tout ça. Ils font pas les foufous sur la route. En plus, quand ils sont des bécanes super belles et tout, franchement, voilà quoi. On va pas dire genre il me dit salut, je vais pas lui faire genre non on va te faire foutre, hein, t'as que 50 cm cube, je vais pas te dire bonjour.
voyez, là, ils sont respectueux, ils essayent pas de doubler ni rien, ils attendent que l'autre fasse son créneau et tout. Il y en a certains, ils attendent pas du tout, hein. Ils foncent. Hein. Non, c'est respectueux, c'est bien. Ah, tiens, des souvenirs. C'est ici qu'on s'était fait contrôler avec Jackie par les flics pour la chicane. Ah, bah, t'es beau, toi, mon grand. Avec ta petite trou entre les jambes. Vous voyez, il a laissé passer le même merci et tout. Vraiment cool. Ouh, la jolie voiture. Oh, elle est belle, celle-ci. Bah, lui, il vient de là où on était, juste avant, un truc de bagnole. Oh, enculé. Tiens, un autre pote à moi, tiens, ça rejoindra à la partie. Sympa ton petit Kofi. Bon, je vais m'arrêter par là parce que je les ai laissés derrière. Vu que j'ai accéléré pour un moment sur une ligne droite là pour doubler tout le monde. Je vais arrêter là pour les attendre. Ah, la ligne droite elle était trop tentante. T'avais oublié tes phares tout à l'heure ou quoi? C'est pas sérieux ça. Bon les gars, moi je vais vous laisser. Je vais y aller. Puis bah on se tient au courant pour se revoir et tout ça. C'était sympa. Et puis bah toi tu diras à ton frère bah bon rétablissement. Ouais, qu'il fasse attention. Et que bah on se reprend une sortie. Tranquillement cette fois-ci. Oui, putain, tu fumes au taquet, mec. Ah ouais, non, mais un nuage, hein. Ah non, mais c'est un brouillard ton truc. Attends, on est derrière, nous on est dans le brouillard. Hein. Bon, allez, je vous laisse, les gars. Salut, faites attention sur le retour. À bientôt, les gars. Bah écoutez, je vais arrêter la vidéo là. J'en profiter pour, tant qu'on est à l'arrêt là, pour vous dire au revoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, moi j'avais dit comme quoi je ferai une vidéo, enfin pas une vidéo, mais que je les reverrai après mon accident, une fois que je reviendrai sur les routes avec la moto, chose que j'ai fait. Puis voilà quoi. Moi, ça m'a fait plaisir de les revoir, pouvoir enfin vraiment les remercier et discuter avec eux. Puis voilà quoi. Alors bon, moi je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Oui, je vous dis pas de liker tout ça, enfin, vous savez, si vous avez aimé, vous likez la vidéo, puis voilà quoi. Ok? Allez, salut tout le monde, ciao.